En marge des activités liées à la Journée nationale de la femme gabonaise, une application sera très prochainement mise en place pour instruire les femmes sur le fonctionnement des institutions. Il s'agit de HAPC, une application de cours en ligne sponsorisée par le gouvernement gabonais qui s'attelle à proposer à toutes les femmes âgées de 18 ans et plus une expérience d'apprentissage transparente et interactive. L'application sera composée de vidéos et de documents PDF imprimables et l'accès sera gratuit pour toutes les femmes. L'application sera entièrement complète. Ça pourra expliquer à certaines femmes qui ne le savent pas, c'est quoi la différence des actions du Sénat, par exemple, et de l'Assemblée nationale. Certaines ne maîtrisent pas. Dans un cabinet, quel est le rôle d'un DC et d'un SG? Faire la différence de tout ce genre de points. Elle sera complète pour justement développer dans ce domaine. Voilà. N'étant pas encore disponible sur smartphone, les candidates sont invitées à effectuer une préinscription à l'aide d'un QR code en attendant sa mise en place officielle. Pour l'heure, l'application n'est pas encore mise en ligne. Et ce qu'il y a, c'est que nous avons créé un QR code qui permet à n'importe quelle personne de pouvoir scanner le QR code et d'avoir accès à cette plateforme de pré-enregistrement. Cette plateforme de pré-enregistrement donnera en l'occurrence accès à n'importe quelle personne à l'avant-première de cette application. L'application HAPC propose des cours dans les domaines de l'éducation civique, du leadership politique, de la communication et l'organisation d'une campagne politique, autant de matières qui accompagnent les femmes dans leur intégration sociale.